Et salut à tous, c'est Dapsitrav. On se retrouve pour une vidéo, la première d'une série où je vais essayer de me faire 1 million de kamas sur le serveur Hush. Donc là, on voit que j'ai 10 000 kamas en vente, en termes de vente, et j'ai à peu près 3 000 kamas dans ma banque. On va aller les chercher tout de suite et vendre les ressources que j'ai en inventaire. Parce que, comme vous le savez, ça coûte un peu d'argent de mettre en vente et j'ai pas du tout assez. Voilà. Donc en même temps, j'essaye de monter le métier chasseur. On est déjà à 30 viandes. Il nous en faut 77 pour monter niveau 10. Et après, on farmera des pioux pour avoir les viandes pour monter niveau 20. Voilà, donc on a 3 000 kamas en banque. On les récupère. Donc on va tout de suite mettre en vente quelques trucs. Donc les goujons, on va les mettre par 100. 1869. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas baisser le prix d'un kama. De toute façon, ça se vendra, même si vous ne descendez pas. Parce que sinon, vous faites descendre les prix. Regardez, là, le prix du blé est déjà descendu de 70 kamas. Ça sert à rien. Si vous vendez un kama de moins, c'est des kamas de moins pour tout le monde. Donc après, on a les plumes de tofu chimérique. Donc là, je vais les mettre à 9737, les 10, et ensuite 800, les 4 restantes. Hop. On est à 26 000 kamas. Ça, on peut essayer de les vendre. Voilà. Ça vaut pas le coup. Ça vaut le coup. Ah, j'ai plus de place. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine, je vous montrerai les preuves de vente. Et voilà, ben on se retrouve bientôt pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner, liker et mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.